J'aimerais traverser la rue, mais j'ai peur des voitures. Je vais vous aider, madame. Je suis un Beetleborg. Oh, merci. Ah, je dois faire quelque chose. Tu me prêtes ça, s'il te plaît? Oui. Merci. Je vous protégerai. Je suis devenue Beetleborg depuis environ 3 ans et demi et je suis allée à l'école des Beetleborgs. Oh, c'est très gentil, je te félicite. Merci beaucoup, monsieur le Beetleborg. Oh, c'est mon travail. N'oubliez pas, la sécurité passe avant tout. Tu devrais faire attention au moins. On apprend aux enfants à regarder des deux côtés avant de traverser. Je suis pas un enfant, je suis un Beetleborg, moi. Non, tu n'es pas un Beetleborg. Olivier, mais qu'est-ce que tu fais ici? T'avais prévu d'arriver seulement en début de soirée? Tu aurais jamais dit que c'était moi, hein. Tu croyais que c'était un vrai Beetleborg. Ouais. Oui, tu t'es bien débrouillé. Oui. Oh, tu sais quoi? Ma mère m'a dit que je pouvais rester avec Drew et toi pendant toute la semaine. Yaha! Ah oui? C'est génial. Vous avez été si long. Désolée, on est en retard. Ouais, on était avec Olivier. Qui c'est, Olivier? Hé, hey, les gars, attendez-moi! Bah, c'est lui, Olivier, le cousin le plus casse-pied qu'il y ait au monde. Il est là pour visiter notre région. Olivier, lui, c'est Roland. Salut. Salut. Oh, oh oui, ma main est un peu collante. J'ai mangé une glace comme déjeuner. Bon, ne bougeons plus, je vais prendre une photo. Attention, ne bougeons plus. Voilà. T'as pas assez de photos? Dites oui, Titi. Oui, Titi. De tous ces albums, c'est moi le plus grand amateur de Beetleborg au monde. Ma mère m'a fait faire cette tenue. J'ai lu ce numéro. J'ai lu celui-là aussi. C'est pas tout ça, mais il faut aller à Hillhurst. Moi aussi? Désolé, Olivier, mais ça marche pas. Pourquoi? Parce que Hillhurst est hanté. Tu pourrais mourir de peur. Une maison hantée, ça peut être drôle. Et puis d'ailleurs, j'ai jamais peur de rien. Ça, c'est toi qui le dis. Reste ici avec Nano, en route. Hé, hey, non! Attendez-moi! J'ai cru entendre quelqu'un m'appeler. Roland! Non, je me suis trompée. De quoi Flabber veut nous parler. Je te suis. Flabsolument. Oh, c'est seulement une vieille maison. Elle sent mauvais, comme toutes les vieilles maisons. Oh. Alors, Flab. Salut, Flabby. Salut, Flabby. Eh bien, le bonjour à vous trois. Mais qu'est-ce que tu fais là? Oh, mais ça saute aux yeux. Tu veux vendre la maison? Non, 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 non. Venez voir ce que j'ai trouvé. Ça saute aux yeux. Mais c'est drôle, non? Cette maison ne me fait pas peur. Oh, vous n'avez pas entendu? Non. Où je suis tombée? Hé, hey, les copains, où êtes-vous? Oh. Arrête ton cirque. J'ai vu des déguisements bien meilleurs que ça. Oh, 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 oh,
Bien sûr, il croit que tu es réel. Je te jure qu'il avait peur de toi. En fait, j'ai peur de toi, moi aussi. Je t'assure. Oh. On est navré de ce qui t'arrive, Flavie. Ouais, mais c'est pas vraiment notre faute. On avait dit à Olivier de pas venir et il a dû nous suivre en douce. Olivier ? Qui est Flolivier ? C'est notre cousin, mais qu'est-ce qu'il est casse-pied ? Oui, j'aimerais bien qu'il nous laisse tranquille. Faut pas dire ça d'un cousin. Non, mais il est toujours sur notre dos. C'est vrai, c'est un minable. Je parie qu'il a de bon côté si vous lui laissez sa chance. Allez, les amis, après tout, il est de la famille. Mes cousins ne m'aiment pas. Je suis sûre qu'ils m'aimeraient beaucoup plus si j'étais un Beetleborg. Je vais t'aider. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que tu es un Beetleborg? Oui. T'as pas l'air d'un vrai Beetleborg. Pourtant, j'en suis un. T'as des ennuis? Mon cerf-volant, il est en haut de l'arbre. Tu peux l'attraper? J'ai peur d'avoir le vertige là-haut. Les vrais Beetleborgs n'ont jamais le vertige. Bon, d'accord. Mademoiselle, c'est mon travail. Alors, je t'ai dit que j'étais un vrai Beetleborg. Hein? Tu espérais quelqu'un d'autre? Qui es-tu, toi? Ne joue pas au plus malin avec moi, Beetleborg. C'est ta maman qui t'a fait ce costume? Ben? Je dois dire que tu es très laid, stupide comme le vrai Noxique. Épargne-moi les flatteries, tu veux? Je vais me débarrasser de toi. Olivier. Où est qui? On l'a laissé ici. Moi, j'ai vu personne. Oh non! Il va s'attirer des problèmes en se montrant en public avec ce costume. Ah ça oui. Je me fais des reproches d'avoir été aussi dur avec lui. Moi aussi. Moi aussi. Venez, il faut le retrouver. Maintenant qu'on a pris un Beetleborg, qu'est-ce qu'on va en faire? C'est drôle, mais il a pas l'air d'être un Beetleborg. Mais si, regarde-le bien. Bien sûr que c'est un Beetleborg. Et toi, surtout, ne vois pas la bouche. Moi, mais j'ai pas de bouche. Je voudrais manger. Ah oui. Eh bien, tu auras de quoi manger. Mais dès que tu nous auras dit où sont les autres Beetleborgs. Ah oui? Est-ce que ce sera bon? Ah. Tu auras tout ce que tu voudras. Mais dis-nous d'abord où tes copains se cachent. Si je mange de la pizza, je ne veux pas de pepperoni dessus. La dernière fois que j'en ai mangé, j'ai été malade dans la voiture de ma tante Pauline. Merci de nous prévenir. Ah, très bien. Tu as seulement du fromage et du jambon. Allez, laisse tomber tout ça, ridicule. Oui, elle a raison. C'est impossible de manger de la pizza sans pepperoni. Alors, tu as quelque chose à répondre à ça? Hein? Pas de pepperoni. Où est-ce qu'il peut bien être? J'en sais rien. J'ai fouillé tous les recoins. Tous les coins? Enfin, les recoins. Alors, c'est une affaire pour l'inspecteur Flabert de Scotland Yard. Il faut raisonner avec logique. Essayons de reprendre tous les flécons nus. Le nom de l'homme? Olivier. Son âge? 10 ans. Dernière position connue? Chez ma grand-mère. Oh! En utilisant ma puissance de déduction. Je dirais seulement que le jeune Olivier doit être ici. Oh, ah bah c'est raté. Des chaussures de daim bleu. Mais j'ai droit à un autre essai. Et on se retrouve au point d'où on est parti. Bon alors, Vexor, tu te mets derrière parce que tu es le plus grand. Jara, tu te mets à genoux devant. Attention. Pourquoi on fait tout ça? Ces photos nous font perdre du temps, c'est tout. Souriez, tout le monde. Je peux pas sourire, j'ai pas de bouche. Ah, ah, mes yeux. Ça y est, dis donc, Vexor. Tu
peut prendre une photo d'une bagarre entre Noxic et moi. Dites donc, cet appareil vient de me donner une idée. Je veux vous rappeler notre vieil ami le photonimator. Le photonimator. Ah, oui, oui, je m'en souviens bien. J'aime bien au fromage. Avec des pépéronis? Non, rien que du fromage. Ah, ça sent bon le fromage. Ah, ça va être génial. Où sont les Beetleborgs? Fic, fac, foc, foc, ça sent les Beetleborgs. Le photonimator avec les maniabords, ça alors c'est le comble. Il va falloir se battre. Voilà ce que j'appelle une excellente pause. Alors souriez les Beetleborgs. On va faire un gros plan. On lui règle son compte à ce minable. Maintenant, à mon tour. Il faut se débarrasser de... Aïe! Ne te retourne pas, il y a un autre Beetleborg dans ton dos. Tu crois que je vais marcher dans ce vieux piège? L'autre Beetleborg a été capturé par les maniabords. Ça, c'est toi qui le dis. Le dingue. Enfin, qu'est-ce que c'est que tout ça? Ça ne devait pas se passer de cette façon-là. Travers. À présent, je crois que Photonimator a besoin de notre aide. Mais alors, qui va garder le Beetleborg? C'est toi, Noxic. Moi, tu restes ici. Mais pourquoi moi? Voyons, c'est pas amusant. Bon, très bien, on joue ça au jeu caillou, papier et ciseaux. Ah. Le papier enveloppe le caillou, oui. Les ciseaux coupent le papier, oui. Le caillou casse les ciseaux. D'accord. T'es prêt? Prêt. Alors, un, deux, trois. Tu as perdu. Ah non, ouais, attendez un peu, c'est pas honnête, là. Vous pouvez pas me laisser ici avec ce sale gamin. Dites-moi, vous deux, qu'est-ce que vous diriez de renvoyer ce monstre dans son repère? Ouais, et pour ça, il faut contacter la base. Ouais. Bon alors, base de bataille. Beetleborg! Chauffe par ici. Splat. Ça va refroidir. Prends toujours ça, maniabord. Bam. Et les maniabords ont manqué leur coup encore une fois. Oh non. C'est la musique que j'ai composée pour les Beetleborgs. Oh là là, j'arrive pas à croire que Jara et Typhus aient pu m'abandonner dans ce trou avec ça, avec ce... Hein? J'ai pas l'impression que tes copains, les monstres, t'aiment tellement. Hein? Mais pourquoi tu me dis ça? Je les ai entendus qui parlaient de toi. Ils disaient que tu étais un poids mort. Hein? À quoi ils pensaient? Il pensait que tu as intérêt à t'occuper de tes propres affaires. Oh, il disait que tu avais mauvaise haleine. Oh, et ils avaient raison.
C'est plutôt moche par ici. Laisse-moi sortir. Non, je ne te laisserai pas sortir. Relâche-moi, 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 relâche-moi. Arrête ce vacarme, je ne supporte plus. Bon, sors d'ici. Ah, je n'en pouvais plus. Regardez ça! Une, deux, trois! Là je vous tiens! Vas-y, prends une bonne photo! Souriez mes petits amis! Vous voulez un format normal ou un agrandissement? C'est le moment de sortir nos armes spéciales! Pour en finir une bonne fois! Avec ce minable tape ferraille, bite de combat! Regarde! Prêt! Allons-y! C'était le moment de prendre une photo souvenir. Reste à espérer qu'elle n'est pas au fromage. Essaye de deviner. Pizza au fromage. Fini, il faut encore qu'on retrouve Olivier. Oui. Olivier, vous avez été drôlement chouette. Olivier, tu vas bien? Très bien. Mais tu connais mon nom? Et c'est notre scanner. Oui, il détecte les choses comme ça. Alors, où t'étais passé? Les maniavores m'ont attrapé parce que je faisais semblant d'être un Beetleborg. Pourquoi tu faisais ça? J'ai cru que mes cousins m'aimeraient encore plus si j'étais un Beetleborg. Qu'est-ce qui t'a donné cette idée? Je les ai entendus parler de moi. Ah. Olivier, tu n'as pas à jouer un rôle pour faire bonne impression. Tu n'as qu'à être toi-même. Mais pour mes cousins. Je suis sûre que tes cousins ne pensaient pas un mot de ce qu'ils ont dit. Hein? Non, non, non. Ils blaguaient, c'est tout. Oui. Ils t'aiment bien tel que tu es. Merci. On prend une photo? Oui, bien sûr. Avec plaisir. J'espère que la photo sera réussie. Alors j'ai réussi à tromper les maniavores, je me suis échappée de la tombe et j'ai rencontré les Beetleborgs. C'est une passionnante histoire, tu sais, Olivier. Tu es sûr que c'est bien exactement ce qui s'est passé? Peut-être que... Tu n'aurais pas oublié quelque chose? Oui, possible. Quelque chose que tu aimerais nous dire? Oui, oui, comme je sais que vous m'aimez tous bien, j'aimerais pouvoir rester avec vous encore une semaine. Et qu'est-ce qui va nous arriver encore?